Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Stellaris. La galaxie est entièrement découverte et on a enfin rencontré Slan. Salut Slan. Salut! On voit ce qu'on appelle ici le safe mode. Voilà. Effectivement, ils ont l'air tout à fait safe pour nous. Allez, reprenons. On est planqué derrière nos forteresses, hein. Pendant que toi, tu cherches un moyen de contourner les forteresses. C'est vraiment C'est compliqué. ça, je suis en train d'essayer de voir comment comment je fais pour passer à cet endroit. Peut-être qu'il faut que je lâche des creds à ces gens, mais à mon avis, étant donné que je suis génocidaire, ça leur plaît moyen l'idée que je passe par chez eux. Donc, du coup, je travaille Mais... je travaille à faire autre chose, hein. Je travaille à essayer de découvrir les bons. Les bons, oui. Ou sinon tu passes à travers leur empire, non? Je peux pas Tu passer leur à travers demandes le. de Bah non, je voler. peux pas. Ici, à moins que je déclare la guerre à l'amicale des robots, mais déclarer la guerre à l'amicale Ah! des robots, ça m'intéresse pas trop, quoi. Ah, c'est l'amicale des robots, ou c'est pas non plus le plus petit de tes voisins. Ah oui, mais bon, ça n'empêche pas que sa puissance comparée n'est pas suffisante. Mais ça n'empêche pas que ce sont des robots, quoi. Moi, j'ai rien contre eux à l'origine. Ouf, ça me rassure d'entendre ça. Enfin, du moins, pas de prime abord. Ça me rassure quand même, mais moins. Bon, nous on va arrêter de se blinder là avec les forteresses à je ne sais pas combien de milliards. Ah, ça c'est leur capitale, non? 14K. C'est bien. Ça c'est leur capitale, ça. On va essayer de continuer à l'augmenter un petit peu. Ah, il faut 1160 pour l'augmenter, dis donc. C'est pas donné. Hein. Ship augmentations On va augmenter completed. celle-ci. Apparemment, pour en faire une de plus. C'est dommage qu'on ne peut pas menacer. Ship fragments Ah ouais, il n'y a pas dissipated. d'option pour menacer? Non, on peut malheureusement pas menacer des gens. Et ça, c'est un peu dommage. C'est triste, oui. Ah, entièrement fouillé, j'ai eu quoi? Ah, 500 points de recherche, super. On va continuer à Trouver bosser super. sur le saut subspatial en espérant pouvoir un jour Technological m'en acquisition servir. successful. Voyage par trou de ver. Ah bah voilà. C'est pas exactement ce qu'on souhaite. Évidemment. Alors, est-ce qu'on a fini nos... Zut, je Arme me de rappelle. taille X, ça aussi ça me plaît beaucoup comme idée. Ouh. X, c'est le maximum. Ouais, c'est la grosse arme par excellence. Tu m'en prêtes une pour que je l'essaye? Non. Promis, je l'analyse pas. Puis absolument rien du tout. Quelle mesquinerie. Capitale de la première ligue. Putain, elle est vraiment vraiment très très bien cette planète. C'est assez impressionnant. Et ça, c'est quoi donc? Centrale de purification des minéraux. Ça a l'air bien quand même. Allez, go. On va minéraliser tout ça. Des hyperpropulseurs pour se propulser plus vite. Hein. Bon. Bon, pour le reste, on était en train d'éliminer Va prendre ça pour pas être les trop en gens qui retard. restaient. Et moi, je vais commencer, puisque monsieur m'a gentiment informé qu'il allait rechercher le voyage par trou de ver, à faire des forteresses sur mes trous de ver. Construction complete. S'il n'a rien à voir, bien sûr, n'hésite pas à m'en parler quand tu feras la recherche Ship sur augmentation is les complete. porte-ailes. J'y songe. Alors, je peux envoyer des gens sur la capitale, comme vous pouvez le remarquer. Construction complete. Déjà. Je peux envoyer des gens depuis Opira, parce que Opira, c'est une planète qu'on a vidée de sa population. On peut donc réimplanter ces gens sur Caprica. Ils vont être très contents, très heureux. Moi, j'essaye toujours Voilà. d'améliorer désespérément. Oh là 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 là, je me console partout. Alors là, je laisse pour faire un truc qui booste les fonderies. Je crois que c'est les métal-alliages ou je ne sais plus quoi, quelque chose dans ce genre-là. Ah, j'en ai peut-être envoyé un petit peu de trop pour le coup.
Ouais, j'en ai envoyé deux de trop. Donc on va réimplanter bah, du coup sur Fen Anabis. Est-ce qu'on a besoin de service? Pas encore, non. Ah. Ceci est un monde agricole. Construction complete. Mais sans agriculture pour l'instant, il n'y a personne. On va quand même balancer quelques secteurs agricoles pour qu'ils s'amusent en attendant. On a un souci de minéraux. J'imagine que c'est parce que nos flottes ne sont peut-être pas au port. Ah si, pourtant. C'est assez étrange. On va prendre ça. Et... vitesse de construction planétaire. Ah, ça serait pas mal parce que je trouve ça long. Hein, les... production des stations minières plus 10%. Ouais, mais le problème, c'est ça. Tout cela est bien. Allez, c'est parti, les hangars. Ça permettra de développer des nouveaux trucs. J'en ai profité pour... j'avais déjà fait mes modèles, mais on m'a demandé de les remontrer. Donc voilà, vous avez ici une corvette spécialisée dans les dégâts. Une corvette qui sert de blocage et que je fais en général pour moitié. Voilà, vous voyez. Et donc elle avance aussi très vite. Et celle-là par contre qui est un torpilleur qui reste en retrait, qui avance moins vite mais qui a plus de shield. Impressionnant. Et derrière, ce sont des destroyers spécialisés dans la destruction de corvettes et des croiseurs spécialisés dans la destruction de destroyers. Moi-même, je suis très impressionné par ma flotte. Par contre, j'ai oublié de la créer. Le problème. Alors, ressources pleines, ok. Je crois que je peux mettre à jour cette station. Construction complete. Après, il va falloir les remplir hein, parce que là pour l'instant elles sont pas très très puissantes. Ouh, la mécale des robots a fait la paix. Ouais, mais enfin, c'est pas pour ça qu'ils me laissent passer. Hein. Malheureusement, j'étais obligé de la faire aussi la paix parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout en train de trouver la tech qu'il me faut pour. Bah, pour aller chercher des trucs, malheureusement. Peut-être qu'on va quand même prendre ces systèmes là très très vite fait, ce sera fait. Je vais peut-être pas m'étendre un peu partout, mais bon, au moins cet empire il sera colonisé, ça sera correctement fait. Je rétrograde certaines stations pas très développées. Construction complete. Et j'en augmente d'autres. Alors ici, il n'y a plus personne non plus sur... Hostile stationary asset engaged. On est combien là-dessus? Population actuelle 15 sur Kravakrok, mais mon cul là. On va envoyer ça sur nos autres planètes. On a de nouveau sur une planète assez peu intéressante pour nous. Hostile stationary asset engaged. Je vais en envoyer un peu ici, je vais en envoyer un peu à Paoa. Alors là, on va faire. On va en envoyer un peu à Wasego. Il va falloir faire des mines partout où on peut en faire, hein, quand même. Ça, c'est un monde agricole. Voilà. Le monde a été quitté. On va acheter un petit peu de minerai. Une vingtaine de milliers pour booster un peu notre construction. Pour rattraper notre retard. Ça, c'est un monde que j'ai choisi quoi? Ah, je l'ai pas choisi lui. Mais c'est un monde relique, c'est un monde de minier. Cœur mécanique. Un raffinage. Distraction, j'aurais bien aimé les extractions rares, mais. On va en faire un monde minier quand même. Et donc on va. Si c'est trop. 4. Il va falloir enlever des bloqueurs. Oh, tout est enlevé. D'accord. On peut vraiment pas faire grand chose. Technologie.
Quand j'hésite entre plusieurs technologies, je prends toujours la plus rapide. Comme ça, j'aurai à nouveau un choix rapidement. Pourquoi pas ? Une stratégie contre l'autre. Quand il n'y a rien qui me fait dire de tout d'un coup, waouh, c'est ça que je veux. Ouais, les gars, on va en terminer avec cet empire merdique. En amont, ce secteur-là, j'ai pas à le gérer, hein, moi. Enfin. C'est quoi cette planète ? Encore une qui est toute seule. Quelle tristesse. Bon, on va faire. L'accueillir bien. Anarchie sur l'ancienne Vaïa. Anarchie là-bas. Ouais, anarchie, ouais. Décision. Tuer tout le monde. Recrutement de drones de combat. Ça picote. Ouais, il faut calmer les gens là, c'est pas possible. Donc ça c'est un secteur autonome, hein. Normalement, et Toyama aussi. Priorité équilibrée. Non, la production. Ils ont encore 13k en réserve, mais apparemment ils s'en servent pas, puisqu'il y a plein de bâtiments qui sont pas construits. Ça m'embête un peu là, qu'ils laissent ça comme ça, je comprends pas dans quel cas ils se servent des trucs. Peut-être aller voir sur les planètes s'il faut pas lui dire quoi faire. Ah non, ils fabriquent pas. C'est assez fou. Construction complete. C'est sympa ça. Construction complete. Plus on prend de bloqueurs, plus on est tranquille après sur les planètes. Ça aussi c'est bien. Ça va un petit peu vite les technologies quand même. Ça va trop vite. Pire, ça va, même si ça doit être pire de ton côté. Ou meilleur. Bah non, ça dépend, parce que là, les technos qui coûtent 33 000, c'est long quand même. Ah bah voilà. C'est parce que t'as plus rien de. Plus rien comme petite recherche. T'as presque fini. Les petites, ouais, j'en ai peu de petites. Point de coque des plateformes de défense. Non, amélioration des forteresses en forteresses stellaires, ça me plaît bien par contre, on va le faire. Ça me permettra de construire des nouveaux trucs. Complete. Ça va picoter. Hop là. On agricole le corps. Générateur. On y va, on va développer le truc qu'on n'était pas censé développer puisqu'il ne le fait pas lui-même. Allez, on prend ça et on arrête cette guerre, les gens, qui aura assez duré. On écrasera ce qui reste de l'Empire Amazon plus tard, mais pour malheureusement. Je vais également devoir écraser l'amicale des robots. Tout simplement parce que. Y'a qu'à se pousser. Bah, c'est ça, parce qu'ils veulent pas me laisser passer. Du coup, on va les pousser à laisser passer. Allez, statu quo. Merde ! Ils sont pas devenus vassaux là ? Non. C'est marqué Empire Amazon parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de prendre, c'est tout. Ah ! C'est pas des vassaux de merde. Vassaux des robots maintenant. Tu vas pouvoir les reprendre juste après. Comment ça, vassaux des robots ? Ils sont vassaux des robots maintenant. Voilà. Ouais ? Ils sont vassalisés immédiatement pour être protégés. Ils sont tout de suite vassalisés par rapport aux robots. Peu importe, tout ça ne m'intéresse que très très peu. En vérité, on va s'occuper. Alors, je sais pas si j'irai pas m'occuper du Léviathan de merde là. Est-ce que je peux pas lui envoyer 40k sur la gueule et voir si j'arrive à le buter, ce machin là. Ça vaut le coup de tester. Ouais, mais ça vaut le coup, ça va me coûter cher cette histoire si ça merde. Hein. 40k, non, ça merdera pas. Mais après, j'ai pas pour autant que tu dois me faire confiance. J'ai clairement pas 40k.
J'ai clairement pas 40k, on est plutôt mais sur. Mais normalement, sur, le robot, ça se tend vers 15-20k, quoi. Ouais. Le dragon. Le dragon. Mais après, ça, c'est pas méca à moi, alors c'est pas pareil. Ouais, je sais pas trop, on va voir. Je réfléchis à ce qu'il est possible de faire à ce moment-là. Au pire, tu referas une troupe. Ouais, bof. Bon, cela dit, on peut quand même renforcer de nouveau la flotte, hein, c'est pas un problème. J'attends d'avoir les nouveaux modèles. Pourquoi on en pause ? J'ai pas relancé, voilà, c'est plutôt probablement pour ça. Alors, est-ce que je gagne peu, c'est fou. Dram est toujours en train de faire des trucs. Il s'en sort jamais de ses productions. Alors, apparemment, là, il faut du travail ici. Bah, oui. Je rentre moi du travail. Ah, mais là, moi, j'ai plus de place pour. Un peu chier ça. J'ai pas de place pour habiter sur ma planète. Il n'y a plus de place du tout. Ah. Elle va habiter ailleurs. Construction complete. Qu'est-ce que j'avais pris ? J'ai pris la découverte. Ouais, bah non, ça va pas m'aider cette histoire. C'est quoi la blague de pas m'aider du tout. Enfin. Ah, j'ai pas pu acheter. Ah oui, d'accord, je suis à l'équilibre. D'accord, je comprends mieux. Je suis à l'équilibre au niveau de la nourriture parce que j'en achète 100 par tour. Non, pas moi. D'accord, c'est pas tout à fait un équilibre. Ouais, pas tellement du coup. Construction complete. Bon, alors après, on a quoi ? On a Fondation. On a combien de planètes à Fondation ? Pas tant que ça. Hein. C'est assez léger. Par contre, pour pouvoir écraser Fondation, va falloir passer par l'Empire Amazon, hein, ce qui fait chier. Je vais me retrouver en guerre contre la moitié du monde connu. Allez. Construction complete. Bon, on va faire une fonderie en attendant d'avoir. Adaptation écologique, bof. Restauration climatique, bof. Ceci ne nous intéresse pas. Construction complete. Beaucoup d'alliages. Construction complete. On est loin d'avoir fini nos forteresses et on est toujours loin d'avoir notre armée. La prod toujours. Peut-être vendre quelques ressources comme ça. Alors, un atout de l'ascension, on va avoir. C'est pas un atout de l'ascension. C'est clairement pas un atout de l'ascension. Tradition. Alors, on est à full en argent. Technological acquisition successful. On a les lances à particules. Donc on aurait voyage par portail. Ouais. Ouais. On pourrait. C'est pas très intéressant, le voyage par portail. Il faut activer les portails du coup. Ça me motive assez moyennement. Est-ce qu'on peut mettre des trucs de taille X là-dessus là ? Artisans troupes. Ouais. Ah, les artisans troupes, c'est bien ça. Clairement. Acheter des choses pour qu'ils soient plus heureux, mes habitants. Comme ils n'ont pas de bonheur. C'est dommage. Successful. Alors, bon, ça c'était très rapide. En même temps, on l'a fait pour ça, hein, c'est parce que ça nous intéressait pas. Voilà. Permet les habitats, station orbitale, bof. Bof, bof. Bon, alors, en attendant, on a quand même ce qu'il faut. On peut toujours développer la flotte, donc sur Caprica de préférence. Alors, pile drame, ça donne quoi ? Ça ne fait toujours pas monter là. C'est trop long tout ça.
faire 4. Construction complete. On va en faire 4. Ça va être très bien. Il me faut des habitations. Je peux encore en faire 11. Très bien. Et puis on va réimplanter du monde ici. Alors, qui est-ce qu'on peut attaquer? Bah si, on avait l'union des cocos qui est éventuellement apportée. On peut mettre à mal l'amicale des robots. Ils sont alliés à qui? Ils sont alliés à personne en vérité. Ils vont être rivales avec moi, voire même rivaux. C'est ça que j'attendais. Construction complete. Quoi? Du coup, j'ai des rivaux. La métaphore j'ai alliage. Ah. J'ai une planète qui fait beaucoup d'alliages, mais malheureusement. Ben, c'est ça. Et ça aussi. Hop. Ok. Malheureusement, elle avait pas de boost, du coup. Et ça me manquait, petit boost. Technological acquisition successful. Ouais, le laser gamma, parce que pourquoi pas. On va profiter de nos 17K pour acheter un petit peu de... tout. C'est bon, ils sont morts dans certains coins? Ouais, effectivement, ils sont complètement morts. Il n'y a plus personne sur Boardo. Alors les gens de Boardo, ils vont aller se casser sur d'autres planètes. Contre qui tu vas te jeter alors, finalement? Ça plouf plouf. Ouais, un peu. Qu'est-ce que ça fait là, ça? T'en as rien à faire là. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est le gouverneur qui gaspille mon fric pour faire ça. Mais quel blaireau, ce gars. Ça peut arriver. Que les gouverneurs soient des blaireaux, ça peut arriver. Ça, c'est sûr. Il a construit une centrale de purification des minéraux sur une planète qui a 5 districts d'énergie, 0 de minéraux. Construction complete. Cette histoire. Bah, va falloir désactiver les gouverneurs. Détails sur les portes. Construction L. Complete. Allez. Canon électrique avancé. Donc, ça, oui, par contre, on prend évidemment. On va le laisser comme dépenser ça, hein. Même si on dépense que la moitié bien comme il faut. Alors, est-ce qu'on attaque l'amicale des robots? Oui. Est-ce qu'on peut? Enfin, non. La question est-ce qu'on peut? Oui, évidemment, on peut. C'est pas, pas vraiment la bonne question, on va dire. Ah, bien, mais... Est-ce qu'on attaque eux? C'est vrai que c'est peut-être les mecs qui nous poseraient éventuellement le plus de problèmes. Je dis bien très éventuellement. Mais avant, je pense qu'on va faire un try. On va quand même essayer d'éliminer ce... espèce de saloperie de bestiole. Construction complete. Promis, je n'en profiterai pas pour t'attaquer avec ma super flotte. Putain, aucun itinéraire. Ah ouais, bah non. Je suis vraiment un sac à merde. Je me suis auto-bloqué en fait. Donc je suis obligé d'attaquer les robots. Voilà. Bon. Comme ça, au moins, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de problème. Construction complete. Ouais, bien de la merde comme choix. J'ai quoi ici? Construction complete. Ah, du coup, j'ai pas grand chose en stock. Hein. On va continuer de recruter quelques trucs. Ouais, on s'est bloqué comme des tocards, hein. C'est vraiment très très triste.
Ça aussi. Ça aussi, c'est fini, là. Ah. Okay, ça, c'est fait. Sans boost. Ça, c'est pas vraiment, vraiment fait. C'est la quête. Acquisition successful. Et ben, on va s'uriner, à nouveau. Eh ben, on va pas être bien loin. Les Ichni guerriers. Oh. Si tu le dis. Il manquait encore une race. Tibou quelque part là. Non, je sais pas où. Construction complete. Personne ne sait. Je sais pas qui c'est. Moi. Je les connais pas ces gens. Ici le vaisseau scientifique, il a tout son sens. Ouais. Ouais, ça peut aller. La flotte d'invasion, elle est là. On va se rendre en position pour une invasion en règle. Ah, bah non, toi tu vas rester ici. Ah, vous êtes deux là ? D'accord. Ah. On arrête de construire des trucs parce que sinon on va être en surcharge. Eh ben on continue la découverte. Bientôt un atout de l'ascension. Prochain coup. Là on renforce, on renforce. On va essayer d'avoir une flotte qui ressemble pas à quelque chose. J'ose pas dire ça. Surtout si vous allez sur la vue de Tips. Restez bien focus sur la mienne, hein. N'allez pas voir chez Tips. N'allez surtout pas voir le. Ou alors si vous allez chez Tips, vous sautez 2-3 épisodes et après vous revenez sur ma vue pour avoir un suivi à peu près cohérent. Ah, canon électrique avancé. Cool. Bah voyons. Ouais, bof. Le mien il marche encore à la poudre. Ah, alors là par contre ça veut dire qu'il faut que je change tous mes modèles. Oui. Quel emmerdement. Tu feras ça sûrement pendant la pause. Non. Tu vas infliger ça. Ouais, c'est bon, j'ai donné 4 des modèles. Je pense que les gens ils peuvent supporter de me voir changer 4 fois des. T'as 4 modèles. Ah, ah, j'ai 4 modèles. J'ai plus de modèles que toi. Félicitations. Bravo. Bravo, bravo. Je suis impressionné. Ouais, j'ai plus de modèles et plus de reliques que toi. C'est vrai. Par contre, je suis à 200 en capacité navale. Enfin, je suis à 200 sur 211 en capacité navale. Ah bah ça fait 400 et moi aussi je suis à 400. À 100 Bravo. Sur 300, ça fait pareil. Bravo. Je suis impressionné. Technological acquisition successful. Oh, il faut 3 milliards de. Est-ce que j'ai des pertes là? Non, pas vraiment pour l'instant. Faut 3 milliards de ressources. Pourquoi je peux pas les upgrader en fait celle-là? Parce qu'il me manque des ressources spéciales. Ah, il faut 40 ça, 40 de ce truc là à chaque fois, mais. Ok, eux ils restent là. Est-ce qu'ils fusionneraient pas Ouais. Ouais, j'aime bien l'idée. Est-ce qu'ils peuvent se scinder en deux? Bien. Il y a 27 qui vont aller là. Les autres vont rester ici. On va renforcer un petit peu cette flotte. Et après, on va arrêter de construire des trucs parce que sinon, on va avoir des problèmes. Au bout d'un moment, ouais. ça va gêner. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Fais pas trop. Après, trop, c'est trop. Oh, ça clignote. Faire encore pas, comme y a, ça. Il y a un truc qui clignote. Pourquoi vous clignotez, vous? Aucune idée. Bref. Construction complete. D'une part, on en a aucune idée, mais en plus, on en a pas grand chose à foutre. Donc, on va laisser tomber. C'est cette histoire. Je découvre des sites archéologiques. À chaque fois, il me fait un bruit d'enfer, le truc. Construction complete. Construction complete.
Bon allez, on va partir en guerre. C'est la guerre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Ou pas assez de service du tout? Ça c'est bien. Voilà. Beaucoup mieux. Ça manque de taf ici les gens. Pourquoi vous ne taffez pas? Taffez, taffez. Allez. Petit comme ça, est-ce que ça manquait? Est-ce qu'on a la base? On va remplacer par une sentinelle. Ok, donc on a donc maintenant une flotte principale ici à 14k, c'est raisonnable. On a vraiment la base. Là, c'est en train de bouger pour se réunir. Bon, bah écoutez, ah, mais est-ce que j'ai un casus belli seulement sur eux? T'as des casus belli sur tout le monde, voyons. Humiliation, mon enfant. Animosité. Ah, sur les robots? Ouais. Ah oui, bah voilà. Humiliation. Humilie-les. Diplomatic alert. War protocols initiated. C'est parti. J'ai peur. Construction complete. Oh, oui. C'est donc la guerre contre l'amicale des robots. On va voir s'ils vont rester amicales et zen longtemps. Je ne pense pas. Ils auront finalement vécu moins longtemps que Skardarin aura mis à les concevoir. Technological acquisition successful. Oh, c'est possible. Intelligence autonome, c'est pas une idée de merde ça? Tu veux donner l'autonomie aux intelligents? Lance à Tachyon. Ouais, ça c'est mieux ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici? C'est parti. Et on va écraser ça. Ici, on va prendre juste cet endroit là pour pouvoir enfin retourner à notre empire parce qu'on s'est coupé, comme des gros glands. C'était vraiment, c'est vraiment dommage. Ouais, de la population là. Alors, dépôt 13 en remède du monde. Refusé. Refusé. Allez, les gars. Allez, allez. Je vais chercher ça ailleurs là. Haïti, ta tombe là. Tiens, à toi. Du monde. Et bien du coup on devrait faire disparaître par la même occasion. Voilà, hop hop hop. Pourquoi? Pourquoi cette planète là? Ah bah c'est lui qui est en train de la faire, d'accord. Pourquoi on n'a pas pris le secteur? Oh, ça nous appartient pas ça. Allez hop. Chelou. Voilà, on peut faire plein de trucs comme ça là-dedans ici. Faut vraiment se faire plaisir. On va commencer par la maintenance. Avant que tout nous pète à la figure, et puis ça. Ah, mais le casus belli d'humiliation, je prends pas les systèmes? Ah bon? J'en sais rien. Je sais pas. J'ai jamais humilié personne, mais on m'a humilié souvent. Construction complete. On va voir si je peux faire des trucs, parce que je suis un peu. Je suis un peu étonné là. Encore? Cool. Ah putain, il est à 14 000 aussi là. 6, 6, 24. Ah, technological acquisition successful. On commence. Okay. Hostile fleet assets engage. Sentinelle pour qu'ils nous fichent la paix si tout se passe mal. D'abord, on leur apprend à obéir. Alert. Hostile fleet assets detected. Ah. Il y a des hostiles. Où est-ce qu'ils sont détectés, les hostiles? Je vois pas d'hostile détecté perso. Je manque d'argent. Bon, je vais arrêter d'acheter autant de nourriture. On va se remettre un petit peu en négatif. Allez, posons les armées là-dedans là. D'accord. Qu'est-ce que tu comprends pas dans mon truc toi? Ouais, non, je vais pas lui prendre quoi que ce soit avec ce casus belli de merde. Ship fragments dissected. Ça fait chier quoi. C'est pas du tout ce qui était prévu. Bah, fais une paix. Dis-lui, c'est une erreur, t'as mis ce clic. Ouais, je vais voir ça après, attends. Ouais, mais c'est le seul truc, mais en fait, j'ai pas d'autres casus belli. Et c'est très très chiant. C'est vraiment très très chiant. Tu peux pas le rivaliser? Bah, c'est déjà fait.
Mais ça n'empêche pas. Tu peux pas revendiquer ces trucs en payant pour le coup? Faire comme des vraies revendications comme on fait d'habitude. Alert. Hostile fleet assets detected. J'ai pas fait gaffe. Tu peux le faire en cours de guerre, ça. Hein. Construction ouais. Complete. Par contre, à la fin, tu ne pourras récupérer que ceux que tu as revendiqués et pris. Alors, comment je fais pour faire ça? Alors, on met en pause, tu vas sur la planète, un petit plus, et c'est ton niveau de... Alors, évidemment, attends, ça allait à moi, je vais pas la revendiquer. N'importe laquelle. Donc là, à gauche du logo de la personne, tu as dans le système, t'as ah, un oui, petit le plus, oui. Et tu peux monter en niveau de revendication, mais t'as besoin de mettre que un, toi. C'est surtout quand t'as des alliés dans la même guerre, tu vois, en fait t'es en train de faire un surenchérissement avec tes alliés. Ok, donc là j'ai fait ça sur un de ces systèmes. Et normalement tu peux le prendre. Par contre, il faut aussi que t'aies envahi la planète qui soit dessus. Nous avons aucunement besoin de revendiquer les systèmes des saletés organiques, on me dit. D'accord, et eh ben est-ce que t'as pris la planète en question? Est-ce que ça peut être ça, sinon non? Je peux pas te dire. Non, c'est peut-être le casus belli qui est un casus belli à la con, là. Pas compris. Mais ouais, c'est pas ce qui m'intéressait, quoi. Ground invasion units have achieved all objectives. Parce que là, effectivement, je les ai bel et bien écrasés, mais je prends absolument rien chez eux. Donc ça sert absolument à rien ce que je fais là. Du coup. Bah fais une paix, puis si tu veux, comme c'est bientôt la fin de l'épisode, je vais pas capituler. On est d'accord? Non, tu laisses pourrir la guerre, t'inquiète. Ah bah non, mais je vais leur péter les dents et les humilier, mais c'est pas ce que je souhaitais à l'origine. Bah oui. C'est juste ça qui est un peu triste, quoi. Ouais. Très très triste. Technological acquisition successful. Est-ce qu'on a un centre de purification? Ouais, ok. On va partir sur blindage 5. Et un truc sur les amibes, là, parce que pourquoi pas. Non. Caprica que je vais améliorer. Et celui-là également. Bon. Ouais, c'est un peu triste ce qui s'est passé là avec cette histoire de casus belli de merde. Alert. Hostile fleet assets detected. Oh, enfin. De la résistance, une flotte à 9000. Voilà qui devrait être rentable pour tester nos... T'appelles ça de la résistance? J'appelle ça pour une fois quelque chose d'intéressant à peut-être regarder. On va voir comment se comporte. N'hésitez pas à revenir quand même à chaque épisode au cas où il se passe quelque chose d'intéressant. N'ayez pas crainte. Bon, lui il bosse mal, mais il bosse. Il développe toujours la même planète. Non, c'est moi qui avais fini un coup de boost, je crois. Allez, est-ce qu'on peut lui tomber dessus? Eux, ils s'ennuient. J'apprécierais beaucoup voir ce genre de combat et puis récolter les miettes de leur empire. Enfin, récolter les miettes de... J'ai plus de minéraux. N'importe quoi. Oh, j'ai plein d'alliages. Hein. Ah bah oui, ça y est, ça a monté la production. Enfin. Pouvoir faire une flotte. Ouais, l'imposition des buts de guerre, ce sera pour après, malheureusement. Bon, de toute façon, je te propose d'arrêter là cet épisode qui a assez duré. Ouais. Non. Oui. Ah ouais, si, moi je suis bien là. Moi je me lance à la saute. Oh, on va peut-être regarder le combat quand même. Le combat entre ces deux énormes flottes. On va voir si mes modèles sont adaptés à affronter ces merdes. Qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, my god. Bouclier 2, armure 1. Mais mec. Oh. Il va te déchirer. Mais mec. Mais respecte-toi. Tu me donnes son adresse que je l'attaque tout de suite. Enfin, quelqu'un à ma hauteur. Ouais, enfin, ils sont quand même à 10 000. Hein. Mais, ça va. Ça empêche pas que... 10 000, je gère. Ah, vous aurez pas le temps de faire le bon, les gars.
c'est mort. C'est pas la peine d'essayer de vous barrer. D'autant plus que vous avez probablement des moteurs de merde. Allez, c'est parti. Ouh, ça va piquer. Bataille stellaire. Voilà, c'est propre. Très très propre. Yes. Ah, on les a éclatés, évidemment. Sans grand mal. Par contre, il y aura probablement plein de trucs à récolter sur les ruines fumantes de leur flotte. Oh bah oui, de la technologie de niveau 1, voire même niveau 2. Ouais, c'est ouf. Bah bref, on arrête là pour cet épisode. Du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la perspective de Slan pour voir un petit peu ce qu'il fait tranquillement dans son coin d'empire. Et puis... Oui. Je monte une flotte parce que... Attends, je vais le dire avant que tu coupes. Allez. Il y a celui qui a créé les Shyam Group qui était tout content. Il est super mignon, en fait, le mec qui a fait les Shyam Group. J'ai discuté avec lui, c'est un de tes abonnés. Il est super sympa et il m'a vraiment, vraiment, vraiment donné envie d'aller défoncer sa race. Et du coup, voilà, je suis en train de monter une flotte pour essayer de lui faire plaisir. Ok. Enfin, je crois. Je suis pas sûr. Ok, bah ma foi. On verra ça probablement au prochain épisode. Allez, bye bye les gens. Bye bye.